ce geste de toi viendra mon secours. Viens se met dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Sans plus attendre, on rejoint pour sa chronique notre bonne amie Christine Michaud. Et à l'homélie, ce sera Luc Fanon. Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de pardon. C'est pas toujours évident comme sujet, n'est-ce pas? Je ne prétends pas avoir vraiment des trucs incroyables à vous apporter sur le sujet, mais j'ai plutôt le goût qu'on réfléchisse ensemble, qu'on ouvre un peu notre perspective par rapport à ça. À quel point c'est important, de pardonner, et qu'on ne le fait pas juste pour les autres, on ne le fait pas juste pour la personne à qui on pardonne, mais même, j'ai envie de dire, c'est peut-être même un peu égoïste, parce qu'on peut le faire d'abord pour soi. Et la plus belle expression que j'ai trouvée par rapport au pardon, la définition, la manière de définir ce que ce serait, c'était dans un livre qui s'intitule « Le Chac », que j'ai lu il y a quelques années, qui est devenu un film aussi. Puis c'était particulier, là, parce que là-dedans, on mettait certains personnages complètement différents de ce qu'on peut s'imaginer. Là. Je parle de, par exemple, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ou je ne sais pas trop. Et c'est l'histoire d'un homme que sa petite-fille se fait assassiner. Et donc, imaginez le chemin de pardon qu'on pourrait penser qu'il va faire ou qu'il veut essayer de faire par rapport à l'assassin de sa petite-fille. C'est tellement pas évident, c'est dans les pires choses qui peuvent arriver. Et à un moment donné, je me souviens que dans cette histoire-là, j'utilise peut-être pas les mots exacts là, pour vous le redire, mais je vous le dis comme ça, je m'en rappelle. Mais ça disait, tu sais, quand on haït quelqu'un, là, on aime tellement pas quelqu'un, puis c'est de l'ordre parfois d'haïr, là, dans son cas à lui. On se dit, mon Dieu, je sais pas, là, mais retenez-moi quelqu'un, là, j'aurais envie de l'égorger là, tellement c'est terrible ce qu'il m'a fait. Et donc, il disait, le pardon, c'est que si vous avez l'impression d'être sur le point d'égorger quelqu'un tellement ça va pas, enlevez vos mains, libérez la charge. En fait, c'était ça la définition du pardon pour eux. Et c'est ça que j'ai trouvé sublime. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai que pardonner, c'est de se mettre à aimer inconditionnellement, nécessairement, tout de suite. T'sais, ça peut être un autre chemin. C'est pas nécessaire non plus de devenir ami du jour au lendemain avec la personne. C'est quoi la première étape? C'est peut-être ça qu'on a à faire comme réflexion aussi, de dire, bien, par rapport à ce pardon là, que je sens que j'aurais à faire, ce serait quoi mon premier petit pas bébé facile? C'est juste une petite chose qui au moins enlèverait de la charge, me libérerait de la charge de ça. Parce que souvent, les gens qui ne pardonnent pas, eux, dans le fond, ça fait plus ou moins de changements dans leur vie. Des fois, ils s'en rappellent plus, ou peu importe. C'est nous qui entretenons les pensées par rapport à ça, la colère, la déception, peu importe ce que c'est. Donc, on trimballe ce boulet-là, alors qu'eux, bien souvent, ne sont même pas au courant. Qui est à sauver dans l'histoire? J'ai envie de dire, qui est véritablement à pardonner? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, parfois, aussi? Donc, c'est ça, le chemin. J'ai pas, comme je vous dis, c'est pas une... Je ne vous dis pas toutes les étapes, mais si on pouvait juste commencer par ça, il me semble que ça adoucirait un peu nos vies, juste de libérer de la charge. Puis on verra ce qui arrivera après. Puis, et si, je vous laisse là-dessus, comme reste avec cette réflexion-là, et si le vrai pardon total, c'était d'en arriver un jour à comprendre que finalement, il n'y avait rien à pardonner. Pas évident comme réflexion, mais je vous laisse y penser. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a
toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange, j'ai rencontré un ange. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois de mai. Il s'agit du mois de Marie, évidemment, on le sait bien, le mois de mai. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait fabriquer sur mesure pour vous. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est en petite boule de pierre volcanique et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni. Moi, je le porte, vous le voyez présentement. Il est autant pour les femmes que pour les hommes, peu importe l'âge, parce qu'il est vraiment de toute beauté. C'est avec une grande, grande discrétion. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si on a encore le cœur de la paix. Vous allez le voir à l'écran. Il en reste encore quelques-uns. Alors, vous pouvez toujours vous le procurer. Je vous redonne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie qui est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie. Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon vendredi, heureux d'être avec vous. Merci pour votre belle fidélité. Vous savez, aujourd'hui, Jésus a un beau cadeau pour vous. On sait que l'Évangile, hein, c'est une lettre d'amour écrite par Dieu aux êtres humains, par le biais des différents évangélistes et le reste. Donc, aujourd'hui, on va voir un Jésus qui est absolument bouleversant, qui s'adresse donc à ses disciples juste avant sa mise à mort et qui va leur faire cette promesse absolument magnifique. Donc, demandons à l'Esprit-Saint, qui est l'acteur premier, j'allais dire, de la passion de Jésus et de la réalisation de cette promesse que nous allons voir, donc de venir habiter nos cœurs, nos esprits, afin que cette parole porte du fruit en nous. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, « Je pars, vous préparez une place? » Quand je serai allé, vous la préparez. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Mais Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est bouleversant, l'Évangile d'aujourd'hui, parce que, évidemment, ce sont des heures tragiques. Jésus sait qu'il va mourir. Ses proches perçoivent qu'il va mourir. Et tout le monde est très ému. Et là, Jésus va faire cette promesse absolument bouleversante, d'abord à ses disciples et apôtres, mais, évidemment, l'Évangile est écrit pas que pour eux. L'Évangile est écrit pour nous, pour toutes les multiples générations de chrétiens. Donc, cette promesse-là, elle est pour vous et moi. Puis cette promesse, quand j'ai lu le texte pour le préparer cette fin de semaine, j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma mère qui est décédée d'un cancer il y a déjà 22 ans, à 59 ans.
Et puis, ma mère a eu le temps, parce que son cancer s'est étiré sur 7 ans, elle a eu le temps de voir venir sa mort et de la préparer. Et ma maman était vraiment très sereine au moment de sa mort. Mais elle, quand je creusais un peu, elle disait « Ah, moi, je suis sereine, je pleure pas devant vous. Mais quand je pense au fait que je vais être séparée de vous, ton frère et toi, Charles, puis évidemment, mon fils Jean-Christophe était déjeuné, elle dit « Là, si je me laissais aller, je pleurerais toutes les larmes de mon corps puis je serais pas capable de m'arrêter. » Donc, je pense à ça. Quand on aime profondément quelqu'un, on veut jamais, jamais, jamais en être séparé. Et évidemment que les apôtres qui avaient vécu avec Jésus à des degrés divers, mais bon, spontanément, s'ils ont accepté de tant sacrifier pour être avec lui, c'est qu'ils l'aimaient. Ils l'aimaient profondément. Et là, Jésus, dans son discours d'adieu, hein, c'est tous ces chapitres-là de l'Évangile de Jean, on appelle cela comme ça, le long discours, ça s'attire sur du chapitre 14 presque jusqu'à la fin. Donc Jésus va résumer ses enseignements les plus importants et Jésus va faire ses promesses les plus solennelles. Ce qu'il faut savoir, quand on voit la réaction de Thomas, il dit « Je pars, bon, Jésus dit « Je pars vers le Père et je vais revenir quand je vous aurai préparé une place, préparez ». L'ouverture du ciel, hein? La mise à mort, la résurrection de Jésus ouvre le ciel qui était fermé jusqu'alors. Donc, quand je vous aurai préparé une place, je vais revenir vous chercher et là où je suis, vous serez avec moi. Puis là, à l'époque, nous, on croit, on connaît le message de Jésus depuis notre naissance. On sait, il y a la mort, on a notre corps, notre esprit sort, on s'en va rejoindre Jésus. À la fin, il y aura la résurrection des corps. Mais les Juifs de l'époque, il y avait des très, très fortes divisions et oppositions. La caste des Sadducéens qui s'occupaient du temple ne croyait même pas qu'on avait une âme et qu'il y avait une vie après la mort. Les pharisiens, oui, les disciples de Jésus. Donc Jésus, là, précise les affaires, clarifie, et au fond, Jésus n'entre pas dans les détails. Ah, au ciel, voyez, ça va être comme ci, ça va être comme ça, ça va ressembler à une ville, ça va être... Non, non, Jésus reste dans le très général. Mais en même temps, Jésus livre l'essentiel. Il livre l'essentiel. Ma mère est morte. Mais un, depuis sa mort, je suis en communion avec elle, je ne suis plus en communication avec elle, je suis en communion de cœur et d'âme. Tous ceux et celles que j'ai perdus, la communion est demeurée avec elle. Mais le plus important, c'est qu'à ma mort, tous les gens que j'ai aimés, que j'aurais aimés, toutes nos familles, l'humanité entière, excusez-moi, qui aura accepté Jésus, qui aura mérité, hein, qui aura accepté le salut par Jésus, nous serons unis ensemble. Unis dans l'amour. Là, après ça, est-ce que ça va être dans un penthouse? Est-ce que ça va avoir l'air d'une ville? Est-ce qu'il va y avoir des petits oiseaux? Est-ce que si... J'en ai rien à cirer. Puis là, Jésus, vous voyez, c'est fondamental. Donc, cette promesse d'amour pour les proches qu'il aime. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Catherine de Sienne a dit une parole très sage. Elle a dit « La vie est un pont, traversez-la, mais n'y faites pas votre demeure. » Elle voulait dire « Faites votre demeure dans ce qui est éternel. Traversez cette vie en espérant la vie éternelle, en mettant tout notre bonheur dans ce qui ne passera pas, c'est-à-dire l'amour, la joie de servir notre prochain, la charité, la bonté, la bienveillance, cet esprit de bénédiction qui rend notre monde si beau et dont notre monde a besoin de témoins. Donc, soyons de ces témoins aujourd'hui qui traversons la vie en sachant que l'amour, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Au moment au plus profond du désespoir, je me suis surpris à prier. Et là, je me suis dit, bon, donc tu crois. S'il est vrai que l'espoir un jour peut refleurir, s'il s'éveille un matin comme un arbre à son heure, nous aurons beau tout faire pour nous garder du pire. On n'est jamais vraiment à l'abri du meilleur.